Oui, pour terminer, je crois que quelqu'un aurait en train de poser la question, berger, mais ça, c'est quoi ça? Non, ce n'est rien. C'est ça. C'est la bouchon du vin. Dans notre langue, on appelle ça djifou. C'est quelque chose que parfois nous utilisons dans tous les rituels. Vous mettez ça dans l'eau, ça ne peut jamais aller en bas de l'eau. C'est comme ça que vous serez en repos pour tous vos ennemis. Comment l'utiliser? C'est un arbre qui est comme ça. Tipo, c'est un arbre qui est comme ça. Le coucou ne le coupe jamais. Vous les attachez comme ça, avec du fil blanc, peu importe. Vous mettez ça dans l'eau. C'est fini. Vous vous touchez. Pour que ça ne vienne pas en retour, vous prenez une pierre, un gravier, vous l'attachez là-dessus comme ça, vous déposez pour que ça puisse rester en bas. Au moment du jour, le jour dont vous mettez ça dedans, vous dites de la manière que cette astuce, cette chose est en haut et ça ne va jamais en bas d'un lot. C'est ainsi que moi, je serai en haut à toutes mes ennemis, tant visibles qu'invisibles, au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Sans pas besoin de somme, ça là, non. Il y a des choses qui n'ont pas trop besoin du bruit. Dans la vie, pour réussir dans la vie, vous devez avoir assez de protection. Parce que la protection vous permet de réussir votre vie pleinement. Il y a des gens, vous priez depuis des années. Ce n'est pas la faute du pasteur si vous n'êtes pas encore exaucé. Ce n'est pas la faute du prêtre, ce n'est pas la faute du maître que vous avez rencontré. Mais c'est la faute à vous-même parce que vous ne croyez pas encore à vous-même. Vous ne croyez pas à vos capacités de réussir telle chose. C'est tout. Donc vous devez commencer par croire en vous. C'est tout. Et vous allez réussir. Si l'ennemi va vous attaquer, il attaque notre mémoire. Et quand l'ennemi attaque votre psychologique, attention, vous êtes fichu. Alors, je prie pour toi ce matin. Par le pouvoir du Saint-Esprit, au nom de tous les grands prophètes du monde qui sont venus au nom de l'Éternel des armées, et par le pouvoir de mon Père et de mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Je te lance l'esprit de la guérison, l'esprit de la délivrance et l'esprit du désenvoûtement, afin que la paix, l'amour et la gloire de Dieu puissent s'installer dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Je suis ton frère le Béninois, Béger Raphaël, la paix dans les cœurs. Shalom à toi. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs, shalom.